Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire Royaume Ogre avec Grécius. Est-ce le dernier ou l'avant-dernier? On verra bien à quelle vitesse on avance. Dans tous les cas, on va essayer de faire vite parce que là, du coup, on est chez Nurgle, dernière âme à capturer. La cour de Jive n'est pas encore rentrée. Non, si, c'est la province du Nord qui n'est pas encore rentrée dedans. On va voir. Là, en attendant, voilà, hein, on termine ça vite fait. On le termine vite fait. On repart en arrière parce que là, j'ai vu une caravane à intercepter. Ça ferait du pognon. Mais bien sûr. Ouais, les guerriers des clans qui arrivent à me buter, mes cannibales. Bien sûr. Tout en mangeant une pomme. Et je vois que mon fond vert a des problèmes. C'est proche ? Ah non, je pouvais le rapprocher encore. Ah, ah, je viens de toucher avec mon genou qui a tapé. Ah, le genou qui s'est un peu abîmé à vélo. Angry. I ain't no gobbo. Lead belchers. The cleaver wielder. Cool of the moor. I ain't no gobbo. Est-ce que trois lance-ferrailles? Alors je sais pas ce qu'ils foutent mais... Leg belchers. This way. Tire pas très vite hein. Voilà. Ouais, alors là, j'ai pas spécial... C'est pas... Enfin... Normalement, c'est pas censé être une armée late game, celle-ci. Mais... Il y a quand même du niveau, donc... Hein, entre un Mastorog, deux géants, des cannibales... Le truc, c'est que c'est encore des buffs, points d'acier. Moi, j'aimerais bien passer à la version au-dessus. Les mangeurs d'hommes, points d'acier. Eux, je pensais les virer et garder les lance-ferrailles et vraiment faire une armée, on va dire, un peu monstre, quoi. Hein. Vraiment, là, corps à corps, boucherie. On a deux bouchers et un cuistot. En tout cas, un sorcier de flamme pour cuire. Voilà. Donc après, il va falloir que je m'occupe de la faille. Et après, on verra. A fine tool of butchery. Ogre tyrant. Ça, c'est pas mal, hein. La petite statue, là. C'est sympathique, hein. Unhand the tsarina. Est-ce qu'il a eu un trait, lui, en la repoussant?
Il a vaincu Kairos, mais il a pas vaincu Donc ouais, ici ça va être chaud. Bon, mis à part ça, il est temps de commencer. Alors j'aurais bien aimé en vrai améliorer encore plus cette armée. Idéalement, cette armée normalement devait avoir deux bouts de fer, plus que deux trappeurs. Peut-être encore une cavalerie féroce, arme lourde. Contre un tireur, parce que deux bouts de fer c'est quand même déjà une sacrée upgrade, hein. Je suis pas obligé de garder. Maintenant les crash plombs font quand même bien le café. Mais bon. Allez, on va se taper avec ça. Alors niveau viande, ça risque d'être chaud, hein. Donc j'y pense, 184, je suis à moins 20. Faut voir. Ils veulent déjà m'éliminer des trucs, je pense qu'on va pas consommer. Hein. Sur stat, oui. Sur les stats, c'est meilleur. Je crois que le ventre dur est peut-être juste meilleur en armure. Alors si vous avez l'impression que je mange rien, c'est une pomme, hein. Encore une fois, c'est normal. Bah on va éviter le flanc, hein. Voilà. Greatest Goldtooth. Mournfang Cavalry. Voilà. Greatest Goldtooth. Greatest Goldtooth. Take it all. Bring us meat. Find a meal! Crush him! T'es autant les défoncer correctement, les chevaucheurs de Vérole, là. Je sais même pas pourquoi il approche pas, en vrai. Ouais, si j'avais deux bouts de fer. Et bon ? Ah, il arrive. Signe de faiblesse, bon allez. Vas-y, faites-nous un petit hit fate là.
Voilà, allez, cassez-vous. Killing time. Alors normalement j'avais demandé de tirer dessus maintenant. Qui c'est qui me jette du caca là? Ah les broyeurs. Ouais. Bon, normalement, là, les drones, ils vont pas passer un bon moment. Hein. Dans pas longtemps, ça va tirer sur les drones, là. C'est étonnant qu'ils abandonnent pas là. Je sais pas ce que fait le bébé là, mais... Ok. D'aller par là. Allez, mes tireurs vont avancer. C'est bon? Nice. Je sais pas ce qu'ils foutent, hein, donc moi je les chope. Hein. Cendres et poussière. Bah j'espère que ça touche pas les alliés. Hein. Boys.
Ah, c'est dommage, je peux pas tirer là. Hein. Je pourrais l'aligner là. Let's go, boys. The more cool. Blade belchers. Crunch their skulls. Ce que j'aime bien, c'est le stun qu'ils sont capables de faire. Regardez, le mec ne tire pas. Il aimerait bien. Hein. Et je crois qu'il renvoie pas les coups. Ah si, il a eu le temps de tirer une fois là. Donc ça peut faire un mort, ouais. Ok. Ah, franchement, les orcs, c'est hyper plaisant. Mais j'aimerais bien être un... J'ai hâte, maintenant que je connais quand même bien la course. C'est vrai que un petit Skrak conquérant, j'aimerais bien. Hein. Skrak conquérant sur le vieux monde. Va falloir attendre l'Empire Mortel ou peut-être une possibilité d'éviter de jouer la cour, j'en sais rien, mais... En gros, quoi. Salut, du coup, Alain. Pour tester, elle est puissante, la magie ogre. Ouais. Ouais. Elle est puissante, enfin... Je sais pas, si je devais la classer, je dirais elle est bien. Elle est bien. Là où ça excelle, c'est quand même que t'as un sorcier qui est très très bon au contact. Qui en plus, quand il balance des sorts, se régène. A une possibilité même de s'auto-soigner énormément. Et il a des bons spells du style la gueule qui fait très mal. C'est pas la meilleure des magies, c'est une bonne magie. Aïe, 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 aïe. Donc voilà le souci. J'ai peur de pas pouvoir... passer. Bon. On va dire que j'ai pas trop subi. Mais que lui, à tous les coups, va vouloir me sauter dessus. Oh. Oh. Oh là 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 là. Bon alors là. Oh, je t'avais même pas encore équipé, toi. Mais je devrais avoir honte, hein. Allez, un autre petit brise-mur. On casse des murs tout le temps, nous. Le petit talisman qui fait plaisir sur un Mastoroc, hein. Et un objet enchanté. Eh ben pourquoi pas celle-ci, ouais. Voilà. Rien que ça. Monsieur est tout équipé maintenant. Il est 32, j'ai économisé pas mal de points. J'ai réussi à avoir tout ça. On va lui mettre l'attaque en mêlée en plus. The Over Tyrant. Par contre, c'est pas des armées de merde. Hein. Ici, je crois que c'est un des pires spots ici. Ou ici. Parce qu'ici, tu affrontes cette armée, tu peux te faire attaquer par celle-ci. Ici,
Tu passes par là, tu peux te faire attaquer par celle-ci. Du coup, ouais, faut pas perdre de temps quand même. Hein. Et s'il y a un truc qui me donnerait de la reconstitution, je peux avoir de la portée de déplacement pendant... Mais je crois que je suis au maximum. Je crois pas que je puisse abuser encore du truc. Hein. Écoutez, on va oser. On va voir s'il m'attaque. S'il m'attaque pas, je vais tracer d'un coup ici. Hein. Je vous dis, je vais faire un fou en mode courir. Parce que normalement, ça a pas une grosse portée d'attaque. Mais ça peut arriver, ça peut surprendre. Bref, on a fait tout ce qu'on voulait à peu près. Lui, du coup, continue de capturer. Hein. Il sécurise des territoires. Pourquoi pas celui-là, ouais. Donc ça, c'est l'armée pas chère. Il va venir avec lui. Voilà. Là, au prochain tour, on va pouvoir l'enlever. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, là, je me fais attaquer. Je me fais un peu emmerder par ça. Bon. Pas trop, trop dangereux pour l'instant, mais j'aimerais bien qu'il m'attaque. Ouais, faudra que je fasse gaffe, donc de temps en temps il y a des batailles, je prendrai de la bouffe. Hein. De temps en temps je prendrai de la bouffe. 6 niveaux pour le sorcier. Oh lui, il casse des gueules lui. Hein. Ouais, il a littéralement... Pourquoi pas une boule améliorée? Ah oui, au niveau 3, il faudrait mettre la charge orageuse. Et oui, et oui. Là, il faudrait que je mette ça. Pour peut-être... Ah, c'est cher. Hein. C'est cher, mais ça se tente. Lui, on le mettra dès que possible. Ok. Là, on répare. Donc là, pas au prochain tour, mais au tour d'après. Quoi qu'au prochain tour. Si, je pense que je peux en vrai. Son poste avancé, c'est sur quoi? Ça, ça me permet d'avoir des ventres durs. Yes! Nul. Nul, nul, nul! Lui, à part le confédéré, il me sert à rien. The celestial time, fire and metal. Oui, j'ai déjà... Je pourrais faire une armée, hein, si je voulais, avec des catets, mais... On n'aura pas le temps. En vrai, je pense qu'avec Scrack, c'est justement un truc qui pourrait être sympa. D'essayer de plaire avant à Dandoré, donc Gressus, pour essayer une alliance avec lui, établir un poste et avoir Scrag avec des KT1, par exemple, pour le fun. C'est anti-large. Ah ouais. Ça c'est anti-large aussi. Ok. Ok. En espérant que je gagne contre Igor.
Ce sera peut-être pas le dernier quand même, parce que j'aurai plusieurs batailles à faire. Ça va pouvoir être un peu compliqué. Bon, bah déjà, il se concentre ici. Oh! Ouais! 1400? Eh bah, je suis pas loin d'avoir la seconde, hein. En plus, ça va être chiant pour eux de caper ça. Après, ils pourraient essayer de passer par là. Hein. Ah, mais là, je pense qu'il faut la tour perforante. Hein. Là, c'est la tour qui va aligner les... On a tout le monde là ? Ouais. On va essayer d'abord de faire fondre celle-ci. Voilà. Là, on sait que ça va faire mal. Mais on a quand même pas mal de puissance de feu, nous aussi. J'espère que ça suffira. J'espère pas avoir dépensé pour rien ici.
Maggie! Where's me master? Off we go! Oh, yes! Many of biggest in the tribe! Alors, il est pas cassé encore. Là, ça plie de ce côté-là. Je crois qu'elle va même pas tirer en fait celle-ci. Au pire, on recule, hein, s'il faut. Hein. Est-ce que c'est le moment de reculer en vrai? Eux, quand ils vont s'en remettre, je vais leur demander d'aller un peu plus. Pas grave, ils ont eu mal aussi. En vrai, ils ont presque plus de munitions, donc... Pourquoi s'arrêter là-dessus? On peut peut-être mettre un bloqueur là, hein. Oh là là, les traîneaux de guerre lourds. Bah, ils sont, c'est le cas de le dire, ils sont lourds, hein. Voilà. Si on peut les atteindre en vrai. C'est en train de se faire attraper. T'avoir donné l'ordre normalement d'aller là-bas. Cavalry, let's go, boys. Merde, j'avais pas vu. Alors, en vrai, je vais prendre eux. Je vais leur demander d'aller là-dessus. Ok, là ça fuit. Ok, c'est en train de fuir, je crois. Mournfang Cavalry.
elle, elle sait tirer ou pas là? Ouais, elle tire là. Quand c'est là, elle tire. Je peux plus construire. Ah, par contre, j'avais pas vu que lui, il avait... Il leur a bloqué le passage. Pas mal. Est-ce qu'il va réussir à le tuer? Ah, non, je crois pas. Ah, je sais pas en fait. Mais il remonte. Ou alors il sait pas ce qu'il fait, je sais pas. Salut Pam Boom. Ouais, clairement. Celle tout devant, j'avais peur que les archers disent tout de suite, bah vas-y, je vais la défoncer. Et que je mette 2000 points de ravitaillement dans le vide, quoi. Donc je préfère qu'elle soit derrière mes troupes pour qu'elle puisse tirer. Et Marie-Jeanne, petite question, les points d'allégeance que l'on peut gagner en faisant des missions pour nos alliés. Aucune idée. Parce que je fais jamais les contrats. Je n'en fais jamais. Je vais utiliser le torchon. Hop. No good meat on them. Ça risque d'être chaud là quand même, hein. Après, oui, je crois que t'en gagnes aussi en étant allié, en tapant son ennemi aussi, a priori des trucs de ce genre là, mais... J'avoue que j'y prête pas du tout attention en fait, je me préoccupe pas de ça. J'ai établi un avant-poste, voilà, je l'ai amélioré. S'ils me disent que je peux le faire, je le fais, si je peux pas, bon bah... Par exemple, c'est pas un truc que je suis pas très fan, moi. Enfin, ça peut être sympa, disons, de recruter des unités un peu d'autres factions. Mais c'est pas non plus un truc dont je suis très friand. Vous savez, genre, quand une faction a des points forts et a des faiblesses, j'aime bien rester avec ses points forts et ses faiblesses. J'aime pas me dire, ah bah tiens, j'ai pas d'infanterie solide, par exemple, là, avec Katay. Bah, je vais prendre les dragons célestes avec mes ogres. C'est pas mon truc, moi. Moi, je suis... Quand je joue les ogres, je joue les ogres. Quand je joue Katay, je joue Katay. Je suis pas... Je ne mélange pas ce genre de phrase très clivante, mais heureusement on est sur un jeu, mais ouais. Les factions, moi je les mélange pas. Je pourrais le faire de temps en temps pour le fun, mais c'est pas trop mon kiff. Ah oui, ça par contre, quand tu joues KT, oui, c'est sûr qu'en coop et tout, il y a... Il y a sûrement moyen de margouliner, hein, mais... Là, par exemple, je sais que j'ai accès aux gardes célestes, je dois avoir accès aux canons, je dois avoir accès peut-être même aux jonques volantes et tout. Jonques célestes? Jonques volantes? Ouais, je sais plus. Il y en a une, là. Dans le coin, là. Normalement, elle est où, là? La lanterne. Lanterne céleste ou jonque volante, c'est ça. Ah, c'est le seigneur. Ah ouais. Ah non, il y en a une autre là. Lanterne céleste. Lanterne céleste. Et du coup, jonque volante, c'est ça. Hein.
Donc là, il y a... À l'aide, quoi. Enfin... En vrai, il faut que je me concentre sur des côtés, quoi. Je lui pète certains côtés, et puis voilà, hein. Pas d'autre choix, hein. Sauf que chaque entrée, c'est bloqué, donc... j'ai même pas une porte de sortie pour... Pour aller chasser autre chose, quoi. Ben, on va aller là, hein. On va essayer de péter ça, on va faire le tour. Pas être simple, cette histoire. Hein. En plus, j'ai que 1000. Ah. Vous voyez, ça, c'est le genre de tour que j'aime pas. Parce que ça pourrait aider là, oui et non. Bah ça t'aidera pas ici, parce que là il y a beaucoup trop de décors pour qu'elle soit vraiment jouable. Celle-ci à la limite elle a l'air d'avoir un peu plus d'angle, sauf que là il y a quoi? Il y a un canon. Bon bah taux de survie de la tour estimé à très bas quoi. On va essayer de dégonfler le truc là. J'ai l'impression que je dois sortir en fait. Là où je peux évidemment. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attendre loin derrière. Là je vais tendre, là je fais une sortie. I'll smell ya. When do we eat? The glory of flame. Là aussi je pense que je fais une sortie. Et il y a un côté, on va complètement l'ignorer. Voilà. Parce que, de toute façon, on gagnera pas. Cavalry. Lui, je l'attends enfoncé ici et là. Et lui, je fais une sortie aussi. Ogre Firebelly. Cavalry. Dazzle them with our skill and slaughter. Let them die with a smile. Iron fists. Eat them. This way. Killing time. Ah, j'en ai oublié deux. On the move!
take it all. Fire is life. Let's go, boys. Take it all. Take it all. Biggest in the tribe. The Moor calls. Ogres attack. When supper? This way. Off we go. Sure thing. Done. Rampage this way. Thundering forth. Scarper. This way. Gotcha. Thundering forth. Run for it. Skulls! Serve the ogres! Take it up! When do we eat? Seeking eats! All together! Est-ce qu'il y a un monde où je bloque là? Ah merde! Ah non, ça garde. Oh, c'est chiant ça. Biggest in the tribe. Off we go. Rampage this way. Meal time. Ah, il va aller le défendre. Cavalry! Leg it!
the Maw's call! Tribe on the move! We're doing it! Man-eaters! Munchum! Look him! This way! Agus! Meal time! If I got her, they're dead! Ogres! Man-eaters! Munchum! Man-eaters! Oh yes! L'erreur quand même de l'IA là, c'est de pas caper, hein, je vous le dis. Hein. Moi je joue sur mon commandement, là j'essaie de tenir au maximum. Complètement éparpillé, complètement cassé. Moi, c'est... Man-eaters, meal time. J'avoue, je comprends pas bien. Hein. Honnêtement, moi, je me voyais perdant. Hein. Je me voyais pas du tout gagner. Sauf que là, j'ai des tours partout maintenant. Ah, je dis gagner, mais on n'en sait rien encore. Hein.
Man-Eaters! Ah bah ouais, s'il capait les points, s'il cherchait à caper les points, mais à chaque fois il a été bègue par des ogres un peu blessés et tout. Il voulait absolument me poursuivre. Et là au final, bah ma ville, voilà quoi. Je laisse faire les tours, hein. Là on est clairement pour... Il se balade dans la ville encore au chariot là. Genre là t'as pas langue. Des fois, elle chope des angles et tours, c'est impressionnant. Voilà! Je m'attendais pas à ça, en vrai. Une armée full, dragon céleste, guerrier halbarde avec arbalétrie et tout. Pardon. Ça va retourner! Mais il y avait du pognon, hein. Bah écoutez, je m'attendais pas à repousser ça, hein. Pour le coup, non. Avec les guerriers, ouais, il aurait pu me péter les tours. C'est d'ailleurs étonnant avec les archers qui s'est pas amusé à les détruire. Je sais pas, peut-être que maintenant l'IA ne focus plus trop à... Katarina, qu'est-ce que tu fais encore ici? Alors... Bon bah du coup ici c'est parfait hein, en soi. Hein. Moi ça me permet de continuer de recruter dans ce truc là. Ah, on bourre, hein. On bourre les ogres, là. Make sure I don't die, right? Who can I boss around next? Want everything. Là, je veux que mon camp il soit vénère, hein. Ensuite. Ogre tyrant. Bon, on va s'occuper vite fait de ça. Victoire de justesse. Yes. Perte moyenne. Yes. Yes, yes, yes. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Bon, par contre, on les a secoués un peu, ils avaient du pognon, hein. I'll freeze off your... My butchers could make a whole lot of chops out of you. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais. Je vais la fermer à la main pour être sûr... Il n'y a pas une armée qui pop, parce que là, je pense que... Il y a moyen de se faire pourrir.
The tenderizer. Hurry up! I'm getting hungry! Y'a quand même beaucoup d'ennemis, hein, tu sais. C'est dans mes dents, tout ça, hein. Carve and grind. An ice witch bows to no one. Guided by me. I'll freeze off your fingers. On va regarder si en vrai elle est pas faisable. Only the ice court. Yes. Ok. Tyrant of the tribe. Celui-là on le laisse s'améliorer. Alors j'ai vu une caravane mais depuis je la vois plus là. Tyrant of the tribe. On va aller capturer ça. The great Moor's command. I have devised the new time. On a 21 000. On a de quoi investir. Oh l'enfoiré, il m'a blessé mon héros. Non. Mais non! Fallait tout sauf ça! Survivor of the flame trial. Ah bah là, c'est sûr, ça va être compliqué, là. Survivor of the flame. Ouais, j'envoie lui, mais il va mettre 10 ans à y aller! Tyrant of the tribe! Ogre tyrant! Non, la forêt hantée, allez hop. Consume. 4 sur 5, je suis en train de débloquer une techno pour en avoir un de plus. Ok. Bon bah là pour l'instant c'est défendu. Ok, alors de ce côté-là. Là, du coup, on trace toute notre vie. Jusque-là. Comme ça, t'es sûr de pas être attaqué par aucune armée. Je me remets en campement ici, j'attire cette armée. Et ça se passe très bien. Ok. Je ne fais rien ici. J'en veux pas de cet avant-poste. Si encore ça donnait du pognon. Très bien, c'est un petit avant-poste, je sais pas, qui augmente l'accord commercial, qui permet une meilleure entente. Vous voyez, c'est... Moi, je la transformerais en ambassade. Voilà. Ça serait l'ambassade. Alors, c'est vrai que j'avais pas prévu ça. Ah oui, c'est pas la même zone en fait, hein. Faut pas que je confonde. Là, il y a de l'homme lézard et là, il y en a aussi. Allez, fin de tour. Alors, la blinde d'archer, mais pas focus les tours, non. Pour qu'il se lève, c'est pas bon du tout de tour-clock. Parce que la tour, elle était en arrière. Elle n'était pas focusable par les archers. Elle était loin derrière. Elle était obligée de tirer du coup sur mes troupes d'abord. Alors, la garnison d'un camp full amélioré, bah, tu peux te permettre d'avoir ce que tu veux. Genre deux bouts de fer, quatre master rock, des mangeurs d'hommes. En gros, une armée tellement balèze qu'il n'y a pas grand chose qui challenge, je pense. Et merci du coup, Macadabre, pour ton follow, bienvenue. C'est 8MX. C'est
C'est qui lui? Au goût de bas? Donc non du coup. C'est bon, gagne. The loser gets eaten. No good meat on him. Oh, merci d'envoyer une petite armée, hein. Obey me or your dinner. Si tu veux, la garnison, oui, c'est toi qui l'as fait en recrutant ici. Donc plus t'as de bâtiments, plus tu l'améliores. Et à la fin, tu peux te permettre avec ce bâtiment-là à moins 30% plus celui-là à moins 60%, donc moins 90% au total. Aller chercher les unités que tu veux. Là, je vais probablement aller chercher un peu de cavalerie férox. Pour l'instant. Histoire de... Donc je vais pas la fermer. Donc finalement on a tenu ici. Non, ici je peux pas. L'autre il a pas osé m'attaquer. Donc je peux juste rentrer ici gentiment. And I switch bows to Noah. Lay out my cleavers. The boss. Obey me. OK. Pas grand chose à faire, je vais aller caper là-bas là, la petite ville. Meet ritual. It's the Moor's house now. 16, parfait. Je m'occuperai de ça plus tard. Je vais aller caper ces deux-là et après je vais peut-être voir pour m'occuper de la mer. Bah là je suis mort. Si après l'autre c'est... Ah ouais, hein, c'est... Là, he's dead. Donc, ce qui serait pas mal c'est qu'avec cette armée en fait moi j'ai rien en bas, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je vais juste renforcer mes... Mes camps probablement avec pas mal d'unités à chaque fois. Petit à petit. Donc là c'est plus de pognon, ok. Trade lord, tribe stealer, hold master. La cour de... La province est rentrée, la province est rentrée, je répète. La province est rentrée. J'ai fait une fausse manip. Bref, je vais reload parce que là, il n'y a rien d'enregistré sur cette manip. On se dit au prochain épisode, du coup, YouTube, où... Eh ben, on va se dépêcher de capturer ça, de retourner en arrière et probablement... Ah, mais non, je crois que je dois aller là. Donc si je suis assez rapide, en gros, je lui casse la gueule, je me cache jusqu'à là-bas, je la prends. Et après, je reviens en arrière à fond. Ça doit être un truc comme ça, normalement. Du coup, des gros bisous, YouTube. Au prochain épisode. Ciao, ciao.